Alors, il est vrai que j'avais préparé moi un salon audio sur mon Discord au nom du jeu, le First Class Trouble. Mais comme je sais pas qui possède le jeu, apparemment Dragon, tu l'as peut-être, mais on ne sait pas si c'est, comment on dit en anglais, cross-platform au niveau d'un lien PlayStation PC. Grand mystère. Alors, tac, 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 tac. Si je fais ça. Non, ça. Pardon pour le soubresaut de plan. Le soubresaut des plans foireux. Voilà. Et j'étais bien parvenu à sauvegarder mon état. Vous voyez le score énorme de 114 millions de points. Je veux absolument faire la pub d'Estrait. Vous allez me dire, on l'a déjà vu tout à l'heure, je sais. Elle a eu la gentillesse extrême de me faire un relais de chaîne avant de partir en barbecue la vénarde. Même pas dit qu'elle soit au dessert à cette heure-ci. Ouais, elle est adorable, Cynthia. Et puis j'aime bien la suite. Et puis, communauté compatible. Ils sont adorables, ils ont l'humour gaulois, apparemment plus gras que le nôtre. Moi je m'en tiens à ce que m'a dit Estré. Mais extra. Re-Edget, tu veux me faire la causette le temps que les autres arrivent, parce qu'on s'était donné rendez-vous à 14h30. Je suis sur la vocale publique, écoute, tu peux me faire la causette si le cœur t'en dit, Edget. Je vais faire du billard électrique en attendant. C'est peinard pépouze. C'est peinard pépouze. Ok, à tout à l'heure, Edget. Chez le bordel. Chez le bordel, sage de Nancy. Ah oui, c'est classe. Un énorme score comme celui-là. Allez, j'y retourne. J'y retourne comme si de rien n'était. Pray space to begin. To begin. Oh non! C'est horrible quand la bille est catapultée sous la palette. Ah, wow. Alors là, la tape qui vient de me faire un doigt, un cyber doigt, de l'impolitesse et de l'irrespect. Dragon, je te lirai évidemment lorsque j'aurai perdu la boule. Ouais, non, y en a.
Oh, ça dégoûte. Alors, tu disais, dragon. Ah ouais, installe la version PC, tu pourrais jouer avec nous. Oh, ce serait trop bien si t'es avec nous, dragon. Je suis trop content que t'aies la version Epic Game Store PC. Ah ouais, trop bien. Ah, je suis content, dragon, génial. Du coup, potentiellement, on pourrait être à 5 sur le jeu, je crois. Je crois savoir même qu'il y a Christella et Petit Seb qui l'ont. Mais bon, Petit Seb, il fait son dimanche sur un autre jeu avec quelqu'un d'autre. Lui qui adore les copes. Mais à voir, Nayonet, ouais. Alors, Christella, je sais pas, elle est sûrement électron libre. Ou elle sait peut-être planifier autre chose cet après-midi, hein, c'est à sa discrétion. Pour peu qu'elle ait du beau temps chez elle et qu'elle soit partie promener cannelle et noisette. Entre autres, mais c'est voilà, c'est comme plein de jeux multi. Plus on est nombreux, plus on va sentir la poire. Je suis ravi que Dragon se rejoigne à nous. Ah, c'est trop bien. On va s'éclater comme des fous furieux. Magnifique. Ah! Ce cri de surprise et de désespoir. Game over. Le jeu terminé. C'est violent. C'est violent à chaque façon. Ah, je peux écrire mon nom. Maman. Ah, je l'aime bien. Quitte à faire que de l'Android. Non, je vais pas vous faire que de l'Android pendant une demi-heure, mais. J'aime beaucoup cette table. Apparemment, c'est du 6 contre 6. Ah ouais! D'accord. What? Putain, la boule a été figée. Oh! Je gémis. Mais Torota va nous inculquer les règles de base du jeu. Il a pris le temps d'étudier et apparemment il y a un gros potentiel de délire. Ça va être que du bonheur les copains. C'est ça qui est beau. Et re... Roger. Hop. C'est la folie. La folie de la baby. Le métal. Ah non. Je l'ai éjecté dans le... Dans les limbes. Un aficionado ou amateur occasionnel des lumières électriques, Edge? Alors, j'y ai pas joué souvent, mais je me souviens de celui sur Windows, je sais plus lequel. Ah oui. Ça s'appelait Space Cadet. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé sur internet il y a pas longtemps. Ouais, c'est bien. Je me souviens de celui-là surtout. Bah, c'est le genre de jeu que tu peux jouer, genre t'as 10-15 minutes devant toi, tu peux faire une petite partie vite fait. Et... Déjà, exactement. Et voilà. Ah! Je gémis sans cesse.
Non, là, j'ai fait un score nul. Horrible, mon 17 millions de points. Bon. On y retourne. Parce qu'on aime ça. Ta-da-da-da-da-da. Il y a un jeu qu'il faudra qu'on ressorte des placards peut-être cet été, qu'on n'a pas refait ensemble depuis longtemps, c'est le stratégie gestion médiévale Stronghold. Stronghold, ouais, ouais. Il était sympa. Hein. J'ai eu le gémissement de l'angoisse. Ah ok, il a l'info dans le Lorraine. C'est du 6 contre 6 en multi. Là je commence une campagne de Broforce. C'est bien, ça va grave défouler le jeu, tu vas adorer. Et encore merci ton retard, hein. Voilà, il est adorable. Bien sûr. Merci beaucoup ton retard. Bien, ton de touche. Bro in black. Excellent. Dirty Brewery. Ah oui, c'est Dirty Harry. Merde. Oui. Clint Eastwood. Pour trouver des références américaines. Clint Eastwood. Il est fort. Non, mais c'est horrible parce que je suis en train de vivre le foot. C'est une catastrophe. Par contre, je serai un peu en retard. Oui, t'en fais pas, Dragon Sky. Déjà, il va falloir. Je pense qu'il y aura une bonne intro par ton retard, parce qu'il va falloir qu'il nous explique. Bah, le temps que ton retard nous présente le jeu, nous dise ça se passe comme ça, machin. Tu pourras accrocher les wagons au-delà de la demi-heure. Bon, c'était 9h30 à 14h30, je crois. Ouais. Ah! Oh non, la vie d'une bille, elle est pas allée dans le dispositif. On va y avoir des points. Oh bah tiens, ça m'a dépité, j'ai abandonné inconsciemment. Bon, je vais faire une autre. Alors je vais essayer de me frotter à une table que j'ai pas faite. Le Magic, je sais pas ce qu'il faut. Oh mon dieu. Oh bon? C'est des pavés de texte à lire? D'accord, là, il y en a. Waza, tu me tiennes. De quoi? Bah, le tuto du jeu, en fait, qu'on va faire, il paraît qu'il faut lire un bouquin. Ah. Qu'est-ce que me dit Nayone? Merde, je suis mort. Le Brominator. C'est marrant. Ouais, non, Brominator. Mais pas qu'il y avait un truc très drôle dans Broforce de visite au retard, mais apparemment on a merdé le truc. On l'a pas eu. Alors j'ai pas compris. Bah à ce que j'ai vu, il y a un mode deathmatch. Oh putain, ça va être terrible. Ça va être très drôle, surtout. Ouais. Se battre avec tous les persos là, c'est marrant. Ah ouais, ça, mais puis à l'écran.
écran, c'est de la JP, c'est pas de la JP. C'est vraiment pas un jeu pour les épileptiques, hein. Pardon de le dire, mais... Ça, c'est sûr. Vu comment qu'il est nerveux et coloré. Ah, trois petites pages. Ah bon, d'accord. Et c'était quoi cette saisie de billes? Elle est étrange, cette table de magie. Non, le carré d'âge ne porte pas chance. C'est pas grave, Torota. On n'est pas là pour courir. Hein. Ça va arranger Dragon qui se voyait arriver un petit peu après une demi, après la demi-heure. On n'est pas là pour courir. Ouais, semaine des colis, ouais. Non, j'espère vraiment, je croise les doigts pour une scène qui réceptionne les colis de, à l'état impeccable. Parce qu'il y a des livreurs, franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Qui les reçoivent déjà. Ça serait important. Oui, oui, aussi. Parce que parfois... Oui, tu peux te mettre le réveil peut-être à moins le quart, mais surtout si tu connais les règles, t'auras pas besoin de subir l'intro, si je puis dire. Oui, il va faire un petit somme, Nayane, à tout à l'heure. Tu nous rejoindras en cours de route. Merde, j'ai déjà bu tout mon café au lait. Si je crois la louche, j'ai bu tout mon café au lait. Bon, ça servira bien un deuxième. Enfin, faudra peut-être que j'ai toi mon gobelet qui est dégueulasse. Si ça existe la mousse au café là. Attends, tu me rappelles un souvenir de bière au café là. Moi je dis c'est Nayone qui a fait ça, j'en suis sûr. C'est possible, mais attends, c'était quoi? Tu me rappelles une boisson? J'étais accro. Mon dieu, tu J'ai pas vu qui c'était, mais pour moi c'est Nayone. Tu es une scène, sois sérieux, Cacolac c'est du chocolat. C'était. Dans les gueules de l'info, il y avait Jean-Pierre Papin qui était moqué avec son sponsor de foot. Il était en sandalette à la française, Baba Cool, avec son... Ouais, Cacolac, j'ai qu'un peu Cacolac. Mais non, c'est du chocolat. Non, pas chocolat, vraiment café. Il n'y avait pas une époque... Coca-Cola avait pas essayé d'expérimenter un truc du genre le Coca-Cola café, coffee. Alors ça... Pourquoi j'ai un souvenir d'une boisson qui a disparu aujourd'hui? Il y avait une histoire de café, j'étais complètement drogué. Les pointes noires. Oui. Le cambodgique, quoi. Ouais, ils font des noms parodiques pour les pays. Ouais. La cambrousse magique. C'est ça. Zoulosien. Je fais la table électrique, bière électrique de la mer. Sachant le petit coraya. Un dessert glacé. Dessert glacé en forme de triangle. Chocolat et café dedans. Ça m'a l'air pas dégueu ton truc. Hey, t'en connais des choses délicieuses, tu me sens. Je te soupçonnerais, à défaut d'être fin gourmet. A plus, ouais, Olive. Bon dimanche à toi, merci à toi d'être là. Ouais, tu prépares le miam à l'avance, quoi, pour la semaine. Oh, pour les légumes ce soir. Bonne popote, Olive. Ah, mais j'arrive pas à relancer ma bille bulle. Ma bille bulle d'eau. Une perle. Oh non, mais non, mais t'es pas 50 000 à bout, vous êtes la boue. Voilà, le jeu est bloqué. Oh non.
Ah, Robocop. Robocop. Le seul de nous. La bille, elle est complètement folle dans mon jeu. La musique est originale. La réaction de bille. Oh, magnifique pour le premier bille. Waouh, j'ai joué longtemps avec. Ça n'existe plus, dit une scène. Ah merde. Mais non, moi j'ai souvenir d'une canette métallique là, un peu comme mes bières, mon petit, qu'on buvait. Ça c'est un truc avec ce Coca-Cola compagnie. C'était un truc au café. Alors, j'étais drogué du truc. J'ai envie de dire non, ça s'est arrêté. Je serais peut-être mort intoxiqué par overdose. Comment j'ai pu perdre ma vie? J'ai perdu la boule. J'étais mort. Oula. Je sais pas ce qu'elle veut là malheureusement. Oh non! Ma poisse est revenue. Mais la musique est vraiment sympa. J'aime bien. Belle compo musicale. Alors, je sais pas si t'as mon retour son Edge quand tu joues à Broforce, mais ça, la musique doit être totalement compatible. Je n'ai pas le retour son, heureusement. Ouais. Parce que musique de zénitude, d'exploration des fonds marins, avec Broforce, ça va pas du tout. Après, le son de Broforce, je l'ai pas mis trop fort, évidemment. C'est comme balancer une bombe à fragmentation tout en écoutant le générique de la petite maison atterrie. Tu dis qu'il y a un problème là de coordination. Moi je vois pas où est le problème. Non. J'ai mauvais goût. J'ai scandalouche. Je crois que je jouis de la chance du débutant. Ah.
Oh là là, mais bordel. Bon, moi je vais franchir le cap symbolique de 100 millions de points. Il est rare dans une table pour moi de bière électrique. Je suis en état de grâce. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas déclenché de 6ème bille. Mais c'est pas grave, rien qu'en 5 billes, alors fait plus de 100 millions de points, je suis fier. Là, il y a eu un miracle. Oh là là, 166 millions de points. C'est tellement beau que je sauvegardais ma. Je vais immortaliser l'état de la, ouais, de la machine virtuelle. Ouais, Epic Pinball. Voilà, je mets le bon nom que je me loupe pas. Voilà. Super. Non mais ça je m'en sais. Oh, magnifique. Et magnifique. Oh oui, il faudrait que je me refasse du coffee. Ah, le coup de la plongée. Cette table mystérieuse. J'ai peur que ce soit graphiquement trop chargé. Je sens que mon cerveau va flipper. Alors, Dinosaur Stampede, Volcano Eruption, Earthquake, T-Rex Attack, Extinction, Fossilization. Oh la vache. Ah ouais, toute l'ère des dinos là. Le paléolithique là, ou je sais plus quoi. Je sais plus comment on appelle les grandes aires. L'évolution biologique de la planète. L'ère tertiaire, primaire, secondaire, paléolithique, le néolithique, le broforsolithique. C'est ce que t'es en train de vivre. C'est ça. Traumatisé le sage, traumatisé. Ah oui, alors. Sympa la musique flûte de pan. Au secours. Ça m'a fait tiquer de voir le T-Rex cligner de l'œil. Je m'y attendais pas du tout, ça m'a fait bugger. Je me suis dit quoi, un T-Rex qui me fait un clin d'œil. Je fais n'importe quoi. J'ai eu un œuf de T-Rex. 700 000... Ils étaient vivants. Non, sérieux. Ah oui, oh mon dieu. Je ne sais plus. Mais oui, c'est vrai que c'était... On disait que c'était des Argéens, bien sûr. Oh mon dieu. Oh, c'est vrai, on réfléchit à ça, on se dit qu'il y a eu des omelettes de... Oh! Par accident, je vais schlinguer. J'ai bloqué la bille. Voilà, tout ça pour ça. Ah, un allosaure pour 2 millions de points. Pourquoi pas. Coucou.
coucou. Salut, salut. Voilà, ouais. Quand tu mets le tour de Bitcoin là. Ah, tu as raison. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est suédois. Mais je revois la couleur du logo, la couleur du drapeau suédois en jaune et bleu marine. C'est exact. Non, c'était écrit Cross. Bah, il voit ça aussi. C'était une marque. Attends, je pose la question à West Blue Boot. Ouais, c'est encore tout seul. Quelle est la nationalité de la marque DJ Club. Ouais, ça... Il est. Il va me dire, la marque n'existe pas. Ah bon? C'est japonais. Ah bon? Il me dit que Waza est japonais. Il faut se méfier des réponses de Wisebot et pas la prendre pour argent comptant. Hein. Je suis troublé là de sa réponse. C'est W-A-F-A. Ah, moi j'écris avec un Z. Moi, mais... Ah bah voilà. Ouais, bon. Je retourne au niveau du dino. Au niveau du dino, déjà. Alors, t'es le premier fabricant mondial de pain croustillant. Son siège social se trouve à Stockholm, en Suède. Et les unités de production à Philipstad, Suède. Et Celle en Allemagne. Et Hamar, en Norvège. Ok, merci pour l'info. Pour moi, ça c'est de la boue de vieux, ça. C'est pas du tout chinois. Hein. Il a une société mère, c'est Baria. Ah ouais. Zéro de réflexe. D'ailleurs, je suis en train de me dire, comme justement la discipline des bières électriques est basée sur les réflexes, ce serait intéressant de faire un championnat rien qu'avec des pilotes de F1. Comme ils sont censés avoir des réflexes de fou furieux, ce serait amusant de mettre des pilotes de Formule 1 en duel sur des tables de bière. Je suis sûr que ça pourrait donner... Des tables de bière ? Électrique, ouais. La version électrique, hein, pas la version. Après, c'est pareil. Est-ce que t'aurais les mêmes réflexes sur un vrai figure? Ouais. Je suis sûr qu'il y aura du beau spectacle. Faut que t'ailles écumer les bars de Nancy à trouver des flippers. Oh, on en a sur Nancy. Il y a je sais plus quel estaminet de Nancy qui est réputé. On est en sous-sol, il y a... Parce que Disca a fait le boulot, Tanta, il a eu le boulot là. Il a dit il n'y a pas longtemps, là, quand il était serveur barman, il avait un établissement où il y avait un prof, un champion de France de billard. Ils avaient le matos, et il a eu des cours, Tanta, il pourra te l'expliquer. C'est génial comme expérience de vie. Non, sur Nancy, on a un établissement qui est réputé pour ça, je sais plus son nom. On va demander à Lionel, il le sait peut-être. Il y a tout le sous-sol, c'est que des tables de billard. Je suis allé dans cet établissement pour une soirée japonaise il y a longtemps, mais pas pour consommer du billard. C'était juste pour passer un bon moment. On n'a pas joué. Bah alors. Alors, je vais m'absenter 2 minutes, le temps de rincer mon gobelet pas hygiénique tout dégueu et me refaire un deuxième service de café au lait. Et puis, bah, je pense qu'on va lancer le... voilà, c'est l'heure dite du First Class Trouble. Moi, je commence à lancer de mon côté. Voilà. J'arrive. Bougez pour les copains. Ah bah tiens, je vous laisse avec la démo du...
plus. Epic Pinball, je sauvegarde l'état de la machine virtuelle sous DOSBox. C'est vrai qu'il y a aussi The Expendables, qui est une... Qui était gratos, ouais. Mm. Ouais. Mais qui était en variante. Mm. Alors attendez, il va falloir que je déclare la bonne catégorie.